Oui, je t'explique, c'est simple. Dans le reste de la France, tu peux avoir Rennes et Lorient qui sont la guerre, ouais. Tu peux avoir, je sais pas, Paris et Marseille. Là, c'est simple. Chez nous en Alsace, c'est l'Alsace contre le reste du monde. Ah. Voilà. J'ai raison ou pas? Parce que hier, j'ai joué à Nancy, et à Nancy, j'ai dit, voilà, je sais pas quelle ambiance il y aurait, je lui dis, je vous préviens, demain, ça va être Strasbourg, et je sais que Strasbourg, ils vont être très chauds. Et là, à Nancy, j'ai senti comme une petite friction entre Nancy et Strasbourg. Comme s'il y avait un truc, comme si vous aimiez pas. Comme s'il y avait une compète. Bonjour. On accueille Anaïs qui va venir pour te poser une petite question à l'antenne, là, dans moins de 4 minutes. Oui, tu me l'envoies. Hein. Ne te plie pas dans ta chaise. Hein. On est là jusque quelle heure? 18h. C'est tes copines? Elles te mettent la pression là. Elles te matent, elles te filment, elles te... Tu dis une connerie, c'est fini. C'est fini. Et alors, est-ce que Ségolène est aussi arrivée? Ségolène, c'est la Oui, Ségolène. Oui, Ségolène, une jeune fille. Parce que si on s'est dit autant inviter des autres gars, bien sûr. C'est dégueulasse ce que je vois, je viens de dire. Des analyses d'urine. Alors. C'est où est-ce que Guillaume de Sarrebourg est aussi arrivé? Ouais, c'est un mélange, ouais, c'est un Doliprane. Alors si Guillaume est arrivé, on va demander de nous rejoindre. Axe majeur. Je sais pas si c'est facile à dire, mais ça a l'air difficile à écrire en tout cas. Oui mais avant ça se mémorise. Donc je te promets que ce soir je le lirai pas. Mais faut que je l'apprenne. Let's get lost. Ça fait passer une chanson ça. Let's get lost. Let's get. Alors. Salut Bissomme Strasbourg. J'ai dit salut. Salut Bissomme. Bissomme Strasbourg. Get lost. À l'occasion, elle me fait dire une connerie énorme, tu sais. Je la prends tout à l'heure. C'est bon. Let's get lost. C'est noté. Let's get lost. Oui. Le papier, non, ça va être moche. Je veux bien te montrer le papier, mais c'est très laid. Est-ce qu'un papier, en fait, bon, tu vois. Un papier, c'est pas très beau. Un discours. Alors, Coé président. Le mec qui démarre, Strasbourgeois, Strasbourgeoise. Soyez sympa avec elle, c'est ton prénom, c'est Anaïs, dans un instant, elle va parler sur énergie. Et... Ça va, t'as pas la pression? Tout le monde t'écoute, hein, je te préviens. Hein. Et toi, t'as un petit peu la pression, toi, avant de monter sur scène ou pas? Parce que alors, là, tu seras tout à l'heure à 20h30 au PMC, je vous rappelle, pour ceux qui nous rejoignent. Moi, il y a un truc qui est dingue, c'est quand je suis derrière le rideau et que j'entends le public, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Ouais, t'as la patate en fait. Ah ouais, sérieux. Des fois, même j'y vais et on me dit non, il faut laisser les gens rentrer, ils sont pas encore tous rentrés. J'ai qu'une envie, c'est d'y aller, c'est un kiff. Hein. Comment ça se passe quand c'est qu'il peut arriver des jours où t'as un peu de mauvaise humeur ou t'es arrivé deux, trois trucs, un peu. Comment on fait? J'ai pas eu. J'ai eu une demi-gastro un jour. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu. Le concept de demi est très bon. La semaine dernière.